Moi, je veux transformer l'auditorium en ring de boxe. C'est ça mon but. On va partir de la base de la boxeuse amoureuse, et puis après, c'est une déclinaison autour aussi de l'univers de Marie-Agnès, autour de l'univers de la boxe. Avec, et du mien. Donc il y a trois corps, en fait, un corps de danseuse, un corps de boxeur, un corps de chanteur. En tout cas, moi, je suis heureux de participer à cette expérience. Évidemment que ça ne sera pas un vrai match de boxe, mais d'avoir Sissoko et Marie-Agnès sur scène, c'est déjà quelque part un événement artistique en soi. Cette soirée, je la vois comme la beauté du geste, dans tous les sens du terme, en fait. C'est ma compagne, Léonore Mercier, qui a écrit ce clip. Et puis on cherchait vraiment quelqu'un qui puisse incarner cette boxeuse amoureuse. Et puis on ne trouvait pas. Et tout d'un coup, on tombe sur une photo de Marie-Agnès. Et là, c'est la révélation. C'est-à-dire que Marie-Agnès, c'est une grande danseuse, mais c'est aussi une comédienne. C'est aussi quelqu'un qui est capable d'exprimer beaucoup d'émotions. Aussi, de voir Arthur jouer, c'est aussi... C'est quelqu'un qui émeut, donc forcément, il y aura des états de corps. Alors, on a fait attention dans ce combat amoureux, qui est un combat symbolique. Donc, l'amour est parfois violent, donc c'était ambigu. C'était une relation comme ça, sensuelle, de gens qui se frôlent, qui peuvent être très attirés, qui peuvent être dans une relation ambiguë, certes, mais pas violente quand même. Il a la grâce, quoi. C'est un danseur, quoi. Il a une physicalité. Il prend la lumière aussi comme quelqu'un qui se fait en scène. En boxe et en danse, on n'atteint pas la même grâce, en fait, je pense. Mais par contre, ce combat intérieur, je pense qu'il est le même. Ce n'est rien, puisqu'elle se relève. C'est quand même une grosse partie Arthur, son univers. Et la boxeuse amoureuse, c'est un extrait de ce qu'on peut faire tous ensemble. On va se donner des coups qui vont se transformer en caresses.